Ok, alors là on est en train de chercher le second exercice de ce sur celui-là, c'est de chercher l'objet pour soi. L'objet pour soi, ce n'est pas un objet de pouvoir comme l'exercice de tout à l'heure. C'est juste l'intention, porter son attention sur l'intention objet sur soi. D'ailleurs, Cathy, si toi tu as envie de. Si tu sens que c'est pas là, lorsque tu portes ton attention sur l'intention objet pour soi, objet pour moi. Si tu sens que ce n'est pas sur ce lieu-là, va ailleurs. Autorise-toi à sortir du cadre. Autorise-toi à sortir du champ d'expérience préétabli. Parce que là, je suis en train d'établir des règles qui te disent, bah, c'est là. Tu peux les briser. Voilà le truc derrière. Voilà le message derrière, l'information. Si tu sens que ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas là. Ok, bah, tu vois? Parfait. Donc du coup c'est toi qui vas. Ouais, moi je m'intègre dans ta structure là en fait. Donc c'est toi qui guides sur le chemin, sous-entendu sur le chemin du prochain lieu. Et en même temps, je m'intègre dedans, parce que sur le chemin, je vais sûrement trouver mon objet pour l'objet pour moi. Ok, du coup je coupe là maintenant. Ou pas, je sais pas, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non, voilà. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Salut.